Danser de danser, ce furieux Pablo. Vêtements, musique, art, dessin, coiffure. Retrouvez-moi sur streetbuzz.be. Souka Furious Pablo, tu es un artiste presque touche-à-tout, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, mon nom c'est Furious Pablo. Je fais de l'art, de la musique, et le dessin, et là aussi la coiffure. C'est trois disciplines, en fait, si tu veux, que j'exerce. D'ailleurs, tu crées Furious Company qui regroupe plusieurs disciplines artistiques, dont l'art, la musique et la coiffure. Voilà, exactement. Mais pourquoi avoir décidé de regrouper tous ces univers différents? Non, mais parce que moi, en fait, à la base, dès mon plus jeune âge, je dessinais. Et après, j'ai découvert la musique. Je dansais avant, donc après, je me suis mis à écrire et à composer des chansons et tout. La coiffure, elle est venue après. Donc, du coup, à chaque fois que j'avais ces talents-là et je les pratiquais, les gens ils me disaient, mais toi, t'as du talent, toi, t'as du talent. Et en faire qu'un seul, me focaliser sur juste la coiffure ou soit le dessin ou la musique, c'était un peu du gâchis de talent. Les gens ils me disaient, bah, t'as fait quoi de la musique ou tu dessines toujours ou tu fais. Donc, je suis obligé, en fin de compte, d'exercer tous les trois. Donc voilà, c'est tout simplement. Ça prend du temps, mais il faut que je le fasse, sinon c'est une partie de moi qui n'existe plus, quoi. Alors, tu as plusieurs projets qui sont sortis à travers Furious Company, dont la musique. Tu as sorti un single qui s'appelle Buki Biki. Oui, exactement. Mon single Buki Biki vient de sortir. Il est sorti le 24 mai. Furious Company, en fait, c'est l'idée, c'est de créer un label et de. D'où je suis le premier et le seul artiste en ce moment. Dans Furious Company, qui n'est pas seulement un label, c'est juste Furious Company, c'est une entreprise. Avec l'esprit d'entrepreneur, j'ai voulu rassembler toutes ces disciplines-là. Tu as la coiffure, la musique et puis tu as le dessin. Et là, j'ai sorti un single, donc ce côté musique, je viens de sortir un single qui s'appelle Buki Biki, qui est d'ailleurs sur Spotify et YouTube. Pour la coiffure, ben, c'est sur rendez-vous, hein. On prend rendez-vous, on vient se couper les cheveux, on se coiffe. Et l'art, il y a des choses qui vont se mettre en place très bientôt. Et c'est quoi la suite par rapport à ça, artistiquement, avec peut-être des collaborations avec d'autres artistes, avec d'autres dessinateurs, d'autres coiffeurs? Ouais, exactement. Pour dire, là, le 15 juin, je prépare un concert en Hollande, à Leeuwarden, à la province Friesland. Donc, c'est le 15 juin et tout le monde est là, bienvenue. Les portes sont ouvertes pour les collaborations, les investisseurs et les producteurs, tout le monde qui veut collaborer. Les portes sont grandement ouvertes et il y a des choses qui vont se mettre en place. Là, il y a mes œuvres du côté dessin qui seront publiées dans les jours à venir sur un site dont je communiquerai plus tard. Et voilà, vous aurez l'occasion en fait de rentrer sur ce site-là et aller admirer les œuvres de dessin. Et si ça vous intéresse, pourquoi pas l'accrocher sur un mur chez vous. Et sur quel réseau on peut te retrouver? Si on veut te suivre, si on veut aller voir plus d'informations te concernant, en tout cas Furious Pablo. Ouais, moi on peut me trouver sur Snap Furious Company, Instagram Furious Pablo et Facebook, hein, Facebook, ouais, Facebook c'est Furious Pablo, simple. Et ben voilà, ben Furious Pablo, ben je suis heureux de t'avoir reçu sur streetbuzz.be et on va inviter toutes les personnes donc à suivre donc ton actu, à aller sur Furious Pablo. Tapez seulement Furious Pablo, vous allez sur YouTube, vous verrez donc les clips Buki Biki, vous verrez aussi tout le reste de son actu, Instagram, Facebook, Snapchat. Et donc la suite là, c'est aller seulement découvrir. Et nous on se retrouve sur streetbuzz.be. Voilà. Danser, danser. 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 Dan